aujourd'hui, on montre à ma fille Lucie qu'elle m'a allumé son premier feu. Lucie, ça fait longtemps qu'elle traîne dans le bois avec son vieux père. Il y a 2 ans, elle a pris son premier lièvre au collet. Hein, t'as plein dedans? T'en souviens de ton lièvre? Ouais, bon. Hein, toi aussi, toi, ça va s'en aller, toi. OK, toi aussi, à classe. la petite, là, des fois, elle est paresseuse, il faut que je la traîne dans le diable. Bon. Fait qu'aujourd'hui, on apprend... On leur a présenté le Gilgamesh, OK? Mais aujourd'hui, c'est l'initiation au feu à ma fille. Fait que là, aujourd'hui, Lucie, elle arrive à 8 ans. Dans son petit kit de survie qu'on lui montra, que j'ai fait à elle, dans ses poches, j'y monte tranquillement j'y montre à quoi traîner quand elle va dans le bois, sur elle, ce qui est important. Donc aujourd'hui, ce que j'ai donné un lacteur et un couteau, un petit canif. Mais ça coupe pas à barure, là. OK? Ma fille a 8 ans, elle est pas stupide. OK? Moi, voir ma fille avec un lacteur des mains, ça me fait pas mal moins peur que voir ma fille avec une tablette des mains et un cellulaire. OK? Ça fait que... Elle sait ce que c'est du feu. Hein? Ça fait quoi du feu, Lucie? Ça brûle. Ça brûle. Bon. Donc, là, aujourd'hui, on va l'initier à allumer son premier feu. OK? Après ça, on va l'initier à pogner son premier remusqué. Encore là, pas innocent. Il met qu'à mettre son piège, la barrure va être dessus, puis il garde en même temps que le piège referme, là, la barrure va faire en sorte que ça y fera pas mal. Là. Ça va juste y faire un saut, c'est tout. OK? Fait que tantôt, on va lui faire prendre son premier remusqué. On va essayer de l'avoir demain matin. Oui, on va faire du bruit avec ton marteau. Donc, Lucie, oui. L'étape numéro 1, pas le fort. Aller chercher du boulot. Chercher du boulot, étape numéro 1. Étape numéro 2. Aller chercher des branches secs. Aller chercher des branches secs. Étape numéro 3. Faire un tipi d'Indien. Faire un tipi d'Indien, OK? Étape numéro 4. Brûler le... Je sais plus comment on appelle ça, le... L'écorce de boulot. L'écorce de boulot. Bon, parce que là, j'expliquais à Lucie. OK, puis là, c'est la première fois qu'elle fait. Au lieu de... Passe-moi ton lacteur, ma belle. Bon. Au lieu de prendre le lacteur, puis aller le mettre dans le feu, puis de brûler le bord du pouce, ben, elle va mettre le feu à son morceau de boulot, puis elle va le déposer le boulot dans son feu. OK? Je sais bien que 80% de vous autres savent comment allumer un feu, mais je suis en train de vous montrer. Lucie, c'est son premier, OK? Bon. Allume ça, Lucie. C'est toi proche. Tu le lèves. C'est le côté. Le côté, OK? Mais je suis pas bonne de côté. Ah, allume-le comme tu sais. Tu le fasses vite. Il va allumer un jour. Il va allumer un jour. Prends-toi plus loin, c'est pas grave. OK? Prends-toi plus loin. Comme ça. Non, du bout des doigts. Du bout des doigts, comme ça. OK? Parce que le feu, il va monter. Tu vas te mettre en haut. Non. Essaye d'allumer ce bout-là. OK? Puis là, je vais faire avec toi. OK? Tu le tiens, puis tu laisses le feu grimper dedans. Concentre-toi, là. OK, c'est poigné. OK, mets-le dedans. Non, on est allé trop vite. Mais pourquoi? On est allé trop vite. Non, je veux pas. Non, ouais, vas-y. Viens, papa, on va le faire ensemble. OK? On allume. Fais confiance à papa. Laisse-les brûler. Fais confiance à papa. OK? On vient le porter dedans. Puis on enlève sa main. Bon. Yes, ma fille, on a allumé notre premier feu. C'est beau. Mets ça dans tes poches. Bon. Fait que là, c'est ça, là. Pour les granos-là, là, Lucie, elle se promène pas avec un lacteur tout le temps. Là. Elle va pas à l'école avec un lacteur et tout ça, là. C'est dans son kit. Lève-toi, ma belle, parce que là, le feu va aller vers vous autres. OK? Puis on va pogner le feu. À 8 ans, puis à 6 ans, elle pognait déjà son premier lièvre au collet, puis elle plumait déjà. OK? Fait que, bon. Il y a des choses qui s'enseignent. Là, ma fille, tu peux aller de l'autre côté, là. On n'est pas le feu pour moi. OK? Je vais le tourner. C'est juste pour allumer. Mettez-vous ici, parce qu'il vente toujours par là. Bon. Fait qu'aujourd'hui, on continue, là, Gilgamesh. Moi, il va venir ici cet hiver, qu'on ferait pas avec mes enfants, pour un tingui, là. Mais il va venir ici cet hiver, puis, regarde, on va s'amuser. On va faire du feu, et je vais instruire mes enfants, hein. On va les instruire d'une autre façon que l'école les instruit. L'école leur apprend à lire et écrire, hein. T'as bien compris à lire mes textes, que c'est pas moi qui vais leur montrer à écrire. Je vais leur montrer à allumer des feux, OK?
Ça, c'est le premier val ici. Regardez comme il est beau. Hein? Si jamais il y en a, si jamais aussi il y en a dans vous autres qui... Tu peux, ma fille. Si jamais il y en a dans vous autres qui veulent... Tiens, j'ai amené des croustilles et tout ça. S'il y en a dans vous autres, s'il y a des parents qui sont intéressés, je sais pas, vous avez un petit bois chez vous, ben non, vous voulez venir faire un petit tour à mon Guillenquem, OK? Je fais un traîneau d'armée, là, tu mets les enfants là-dedans, prends une saisite, OK? Venez faire un petit feu dans le bois, puis leur faire pogner leur premier lièvre au collet, puis les amuser dans le bois, puis leur montrer deux, trois petites gosses, puis les faire vivre autre chose qu'une tablette, puis Internet. Ben, après ça, ils vont me parler en privé, puis on est... viendrait avec moi, là. Laissez-moi pas. C'est pas une garderie, moi, là. Un petit poisson? Hein? Viendrait avec moi. Un petit poisson? Voulez-vous un petit poisson? Fait que, gars, pas de garderie, mais, gars, moi, j'aime bien les enfants. J'adore les enfants, puis on ira s'amuser en forêt avec les enfants, puis pas de trouver avec ça. Mais là, je vous le répète, là, je garoche pas pour vos enfants, moi, là. Pas de garderie, là. C'est sûr que, hein? Pas de garderie, moi, là. Non. Mais en faire d'un, c'est certain. Tu vois, je ramasse avec 20 enfants, on va sortir de là, on en avoir 15. Et c'est bien certain, là. T-Bob, il est où, T-Bob? Je te tue, moi, T-Bob, il est où, là? Il est parti après une écureuil, genre, il est laissé aller, il avait l'air bien se débrouiller. Bon, fait que, c'est de même qu'on allume un feu, hein, Lucie? Mm. Content de toi, ma fille. Puis si vous voulez des petits poissons, venez. Ouais, mais dans le bois, vous voulez des petits poissons. Si vous voulez, l'orange. Ouais, hein, bon. Fait que, on vous offre même des petits poissons. Avec les filles, là, regarde, ils vont montrer aux amis comment allumer un feu. Non. C'est ça.